Le paris j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, large de victoire. Un 6 face Clermont Foot. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. En tout cas, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je me suis régalé. Le Paris Saint-Germain bah, qui se rapproche petit à petit pour le 10 titre de champion de France. Mais bon, un peu patient. Mais ce premier période, le Paris Saint-Germain, qui commence bien, dès à la cinquième minute de jeu. L'ouverture du score 0 à 1 pour le Paris Saint-Germain, le but Neymar. Ensuite, 18e minute de jeu, 0 à 2 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Encore lui, encore de Kylian Mbappé. Déjà qu'il a mis son doublé face à Lorient et là ce soir, Mbappé il marque encore de son but. Mbappé il se régale. M Mbappé, il a envie de se tout donner et rien se lâcher et qui marque son but, et ben c'est ce qu'il a fait. Non, franchement, rien à dire pour Kylian. Pour Kylian Mbappé, rien à dire. Mais ce soir, Mbappé il était en feu. Il est en feu. Et puis là, le Paris Saint-Germain qui garde le ballon, qui ont toujours des potions de balle, qui ont cherché beaucoup des occasions. Bon, après, bon, Léo Messi qui a marqué marquer de son but, c'est dommage. En plus, normalement, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain, mais l'arbitre, il n'a pas donné le corner pour le Paris Saint-Germain, alors que normalement, il y avait corner vu que le gardien de Clermont il avait touché euh, qu'il a... Enfin, il a arrêté le, le ballon, mais du coup, non, il a s'y mètres pour Clermont. Mais bon, j'ai pas compris de ça, mais bon, enfin bref. Après, bon, euh, gay il a tiré au-dessus dans les nuages. Et puis on a vu que le Paris Saint-Germain qui était, qui était très bon entre 35 et 40 minutes de ce premier période. Mais là, 42ème minute de jeu, le Paris Saint-Germain bah, qui commence à se relâcher petit à petit. Et là, clairement, qui est marque de son but. On prend un but bêtement. Et le Paris Saint-Germain bah qui commence à relâcher et qui on, on prend un but bêtement. Voilà. C'est un truc de ouf et ça me fait chier. Mais bon, le Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-2. Euh, mais on a vu que bah, Clermont, qu'ils qu n'ont rien se lâcher, qu'ils ont envie de l'égaliser juste avant la mi-temps. Mais en fin de compte, non. Mais du coup, le Paris Saint-Germain, en ce premier période, qui mène 1-2 face à Clermont Foot. Ensuite, deuxième période, bah, on a vu bah, Clermont qu'il a envie de continuer, qu'ils ont qu envie de chercher l'égalisation. Mais le Paris Saint-Germain. Qui récupère le ballon, qui, se, qui ne lâche rien, qui, qui voilà, qu ont toujours des poussons de balle, j'ai vu des bons jeux, des collectifs, des envies, qui, qui se donnent à fond, qui ont envie de tout donner, qui ont été jusqu'au bout, mais j'ai vu le Paris Saint-Germain qu'ils étaient sérieux, impliqué, qui voilà, qu ont, envie, qu ont envie, de chercher les trois points, qui ont, qu veulent rien se lâcher. En, après bon, euh, bah, 66e minute de jeu, premier changement pour eux, le Paris Saint-Germain. Gay qui sort à la place de Et puis là, bah, Léo Messi qui a marqué son but. Mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour l'opposition de hors-jeu. Alors, ce n'est pas Messi qu était, euh, qu était hors -jeu, était qui était hors-jeu. C'était Kian Mbappé. Mbappé qui était hors-jeu. Mais quand j'ai vu le ralenti par rapport à euh, bah, position de hors-jeu, bah, Mbappé était à la limite de l'hors-jeu. Il était hors-jeu pour un bras. Pour un bras. Non, mais c'est une foutage de gueule, quoi. C un, il nous prend pour des pigeons. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas d'or jeu. C'était limite. Mais il montre le ralenti. Mais hors-jeu, euh, a Mbappé pour un bras. C'est incroyable, ça me rend fou. Mais bon. J'aurais préféré que Messi marque son but. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais du coup, l'arbitre a refusé pour le potion d'hors-jeu. Du coup, ça reste toujours un 2 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 70e minute de jeu, pénalty pour le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve. Euh, je vais pas te mentir, mais je trouve c'est limite euh, euh, pour le penalty pour le Paris Saint-Germain. Mais du coup, l'arbitre a, a décidé de siffler le penalty pour le Paris Saint-Germain. Mais moi, perso, c'est. J'ai envie de dire c'est limite euh, de, la, euh, de la faute. Et bon voilà. Du coup, Neymar qui va tirer le penalty. Mais j'aurais préféré que Messi tire le penalty, mais enfin, compte, non, c'est Neymar qui va tirer le penalty et qui marque bah, de son but et qui a mis son doublé. Et ça fait 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, ce n'est pas fini. Trois minutes plus tard, 1-4 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kian Mbappé. Mbappé Sonic, Mbappé Flash, le patron de Kian Mbappé. Mbappé King, hein, appelle ça que vous, vous voulez. Mais Mbappé, il était gourmand. Mbappé, c'est un monstre. Le monstre de Kia Mbappé. Mais il était Il est, il est complètement euh, trop gourmand. Il est trop gourmand, le Kia Mbappé. Mais ouais, ce soir, Kia Mbappé, il a mis son doublé. Mais voilà, il ne lâche rien. Il a envie de tout donner. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Ensuite, bah, 78ème de jeu. Deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Kipembe qui sort à la place de Du coup, c'est Verratti qui prend le brassard de capitaine. Vu qu'il a sorti euh, Kipembe. Et puis là, une minute plus tard, 79e minute de jeu. 1-5 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé de Kian Mbappé. Comme je viens de dire, Mbappé, c'est un monstre. Il est trop gourmand, Kylian Mbappé. Il avait faim. Ça se voit qu'il a faim, Kylian Mbappé. Mais ce soir, il a fait un match extraordinaire. Il a fait un bête de match ce soir, Kylian Mbappé. Rien à dire. Et puis là, 82e minute de jeu. Ce n'est pas fini encore. Et bien le Paris Saint-Germain qui mène 1 6 face à Clermont-Foot, le triplé de Neymar. Triplé de Mbappé. Triplé de Neymar. Franchement, ce soir, ce soir j'ai vu le partagement en mode sérieux, mais là, triplé de Mbappé et de Neymar, ils ont fait énormément un bête de match. Neymar et, et, et puis Mbappé. Et puis même Messi, ce soir, il a fait trois passes de, de, décisives. Donc franchement, pour moi, l'homme du match, c'est tout le monde. voilà. Mais bon, après, c'est mon avis. Mais enfin, non, pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé, Neymar et Messi voilà ensuite bah 84e de jeu euh, bah qui a fait trois changements pour le Paris Saint Germain Verratti qui sort à la place Michu vu que bah Verratti il était euh, qui a pris le brassard de capitaine maintenant c'est au tour de kiel Mbappé qui prend le brassard de capitaine ensuite Akimi qui sort à la place Ipimbe. et euh, Nuno Mendes qui sort à la place de Bernat. Et puis là. Mbappé. Il continue de l'enchaîner. Qu'il était à deux doigts. De, Qu'il a failli mettre, de mettre son quadruplé. Qu'il a failli marquer son quadruplé. Mais il était à ça. Mais c'est dommage. Mais après le gardien de Clermont qui a, qui a arrêté le ballon. Mais ça a pu avoir cette, euh, un 7 pour le Paris Saint-Germain. Mais en fin de compte, non. S Score final. Le Parc Saint-Germain qui mène large victoire, qui l'ont mis pan pan 1-6 pour le, pour le Paris Saint-Germain face à Clermont Foot. La compo qu'il a mis, euh, Pochettino. qu'il a mis en 4-3-3, en gardien d'Unaruma. Défenseur gauche, Nuno Mendes. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Kipembe, Sergio Ramos. Vu que Marquinhos. Il n'est pas là. Alors je pense que soit il a laissé au, au repos ou soit, il a, ou soit je pense que à mon avis il, il est blessé. Mais je pense, après je pense pas qu'il soit blessé, Marquinhos. Mais je pense que ouais je sais pas. Soit il, soit il est au, au repos ou soit il est blessé. Hein, Reprenez-moi si je me trompe. Milieu sentinelle, Verratti. Milieu gauche, Gay. milieu, milieu droit, euh Danilo attaquant gauche, Mbappé, attaquant droit, Neymar et attaquant pointe. Euh, non, attaquant droit, Messi, pardon. et attaquant pointe Neymar. Le Paris Saint-Germain qui a fait euh, 64 des potions de balle, côté Clermont Foot qui a fait euh, 36 des potions de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait euh, 17 tirs et 10 cadrés et côté Clermont Foot qui a fait euh, 10 tirs et 4 cadrés. Donc voilà la team j'ai pas plus à dire. En tout cas, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je me suis régalé. Bon, même si vous allez dire Ouais, mais c'est que clairement foot. Da, ni, 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 et pas bla, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, je m'en bats les steaks. Hein, ok, okay c'est que clairement foot. Même si, voilà, le Paris Saint-Germain qui met qui ont mis une grosse raclée. Large, qui met une large victoire et tout. Hein, mais bon, hein, je m'en bats les steaks. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire et les trois points. Donc, voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match clairement foot partagez-moi est-ce que vous êtes content et tout commentez likez partagez et on est carré sur ce bonne soirée à la team ici c'est Paris